Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve pour à la conquête de Laser saison 2 après une saison 1 qui a été vraiment fantastique pour moi, qui a eu un succès vraiment vraiment énorme, je trouve. Ça a été vraiment formidable et grâce à vous mes abonnés, enfin j'ai vraiment une communauté d'abonnés formidable, donc voilà, que je remercie, et que c'est grâce à eux que je peux commencer cette deuxième saison. Et donc contrairement à la saison 1, je ne commencerai pas en menant une vie normale et voilà, et en allant dans le Nether pour récupérer de la glowstone et pour faire un portail vers le Nether. Non, là je me suis donné directement 10 blocs de glowstone et je me suis fait un tout petit abri, et donc je commencerai cette aventure avec ça. Et je ne tricherai plus maintenant, à partir de maintenant. Donc je rappelle les règles aux nouveaux, je rappelle les règles aux anciens, et je les présente donc aux nouveaux. Donc les règles, donc bien sûr je dois jouer en mode normal, normal. Et donc mon but est de conquérir Laser, donc c'est-à-dire que je dois battre les trois boss des trois donjons de Laser. Donc Laser qui est rajouté par le mode Aether, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo, et qui est donc un mode qui rajoute une dimension parallèle, une sorte de paradis avec vraiment vraiment plein de nouveautés dans ce nouveau monde. Et donc voilà, je vais devoir trouver les trois donjons, hein, c'est-à-dire le donjon de bronze, le donjon d'argent et le donjon d'or, et battre les trois boss qui sont à l'intérieur. Et je peux vous dire que ça ne va pas être évident. Donc je commence tout de suite en faisant... Ah, j'ai oublié un truc, j'ai dit que je commencerai sans tricher, mais j'ai besoin d'un seau d'eau aussi pour... voilà, bon, je me donne un seau d'eau. Après je ne triche plus, c'est promis. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai besoin d'un seau d'eau pour activer le portail. Hein. Le portail vers le Nether s'active avec... un briquet, mais le portail vers Laser, et mince, il me faut plus de blocs. Excusez-moi, je me donne ce dont j'ai besoin pour aller directement dans Laser, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ouais, normalement. Ah non, il va en falloir 5, je crois. Ouais, il va en falloir 5. Ah non, 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 c'est bon. Ouais, bon c'est bon. Alors ça commence mal si j'ai déjà du mal à me faire un portail. Bon, vous avez pas l'habitude si vous venez, si vous me découvrez, mais vous devez avoir l'habitude de... Vous aurez très vite l'habitude de me voir faire des fails immenses. Donc voilà, mon portail est fini, mais je vais juste pour la beauté, je vais rajouter un bloc de plus. Donc voilà, et à partir de maintenant, je ne triche plus. Bon, je sais, je l'ai déjà répété, mais là, c'est vrai de vrai. Donc, écoutez, je ne sais pas du tout où je vais atterrir, à quel endroit de Laser, donc je vais atterrir. On va voir ça en même temps que vous. Donc voilà, portail est ouvert et je peux aller dans Laser. C'est parti. Donc on va dans Laser exactement comme on va dans le Nether. Hein. Donc on entre dans le portail, hop, ça charge et ça va... ça va donc nous emmener dans les heures, vous allez voir, c'est une dimension vraiment, vraiment palpitante avec plein de nouveaux mobs, plein de nouvelles choses à découvrir. Donc hop, petit chargement, j'espère que j'ai pas trop lagué au début. Non, ça a l'air d'aller. Donc, où je suis. Donc vous voyez, la terre n'est pas pareille, le bois n'est pas pareil, enfin même si on a l'impression... Oh, on peut même... Oula. Ah bon... Ah voilà, ça commence. Là vous voyez, je viens de me faire pousser par ces sortes de... Où il est ? Voilà, par ce sorte de gaz de laser qui vous envoie des boules qui ne font pas mal, mais qui vous poussent. Et étant donné que vous êtes en gros au paradis et donc dans le ciel, il y a des trous et vous pouvez tout à fait tomber de laser. Donc en fait, ces monstres vont essayer de vous faire tomber de laser, et quand vous tombez de laser, bah, vous verrez sûrement à un moment ce que ça va faire, mais parce que je vais sûrement me rater à un moment ou à un autre. Oula, j'ai entendu une sorte de bruit, non? Ça c'est des arbres au tronc doré, ouais. Je crois que faut les casser avec une hache en je sais plus quoi pour vraiment obtenir quelque chose. Donc on va se faire, bon c'est comme dans toute aventure normale, hein, même si on commence dans laser, bah faut couper du bois, hein, c'est toujours comme ça.
Ça sera un petit épisode où je vais construire un abri et puis me faire mes premiers outils, récolter mes premières ressources. Donc tout à fait banal. Donc voilà, mais très vite j'espère et je pense que ça devrait devenir plus palpitant avec bien sûr quand je serai dans les donjons. Là, ça va être dur, sachant que dans la saison 1, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, et que je conseille à ceux qui ne l'ont pas regardé et qui regardent maintenant la saison 2, de ne tout simplement pas regarder la saison 1. Et oui, je conseille de ne pas regarder mes vidéos, c'est fantastique, non, parce qu'en fait, elle était pas mal, il y avait pas mal d'action et tout, mais les premiers épisodes, je capturais mon écran avec un logiciel gratuit, et donc il y avait un signe Playclaw, donc qui était le logiciel que j'utilisais, un signe Playclaw qui se baladait sur l'écran. Et voilà, donc ça peut être assez dérangeant, et il y avait en plus un décalage de son. Donc voilà, je vous conseille de commencer directement par cette saison, vous ne manquerez rien. Voilà. Hop, donc vous voyez que je peux transformer pareil le bois de laser en bois normal. Et donc on va se faire un tout petit abri pour être à l'écart. Pour être à... qu'est-ce que je veux dire? Pour être à l'écart. Non, pour être protégé. Hop. Oh tiens, la terre se casse plus vite ici. Ouais. C'est de la... Bon, de la terre de laser. Très original. Donc, faisons-nous une petite maison. On va se faire des outils aussi. Donc on peut faire pareil un atelier. Mais par exemple, si vous amenez de la cobblestone et que vous faites des bâtonnets, vous voyez, avec ce bois, et qu'ici vous mettez de la cobblestone, hop, et bah ça ne marchera pas, il faut de la holy stone, qui est la cobblestone en quelque sorte de laser. Donc voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais essayer d'en récupérer. Et ce qui est très pratique avec les outils en bois, si je me souviens bien, ici c'est resté pareil parce qu'il y a quand même eu une petite mise à jour. Une petite, même une grande mise à jour, peut-être, je ne sais pas exactement. Les outils en fer, et ben ils. Ah ouais, bah voilà, c'est ça, ils lootent double. Est-ce que ça se dit? Ils lootent double. Bon, inventons des mots. En gros, vous ramassez deux fois plus de choses. Donc voilà, on a qu'à se faire. Est-ce qu'on va pouvoir ici, voilà, se faire une petite cave pour récupérer de la holy stone? Ouais. Donc, oula. Petit lag, donc mon ordi n'est pas très puissant. Là, vous voyez, ça rame complètement. Ok, l'image est bloquée. Ça devrait revenir normalement plutôt vite. Donc voilà, excusez-moi pour le lag qu'il y a eu. Donc j'ai fait une minuscule coupure, mais il s'est strictement rien passé. Voilà, excusez-moi vraiment, mon ordi, surtout avec laser, est nettement pas puissant et pas du tout puissant. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça se casse plus durement. Ça doit être un autre matériau. Vous voyez pas grand-chose, je sais. Je vais pas continuer longtemps ici. Je ramasse un peu de quoi me faire des outils en holy stone. Ça sera toujours utile. Même si les outils en bois permettent de looter double, les outils en holy stone s'avèrent tout de même très utiles. Ah bah, tiens. Tiens, j'avais même pas vu ça tout à l'heure. Donc ça, vous voyez, c'est un donjon d'argent. Mais j'essaie de trouver un... Oula. Un donjon de bronze d'abord. Mais voilà, donc c'est très bien, à côté de chez nous, on a un donjon d'argent, donc écoutez, on n'aura même pas besoin de le chercher, celui-là. Vous voyez, c'est assez bien fait, hein, comme bâtiment, c'est même très bien fait, c'est très joli. Ça fait un peu penser au... comment on appelle ça, bon... au temple grec, non, si je dis pas n'importe quoi, bon, si je dois dire n'importe quoi, mais bon. Il faudra avoir l'habitude avec moi parce que je vais dire très souvent n'importe quoi. Oula, oulala, là je me suis bien fait éjecter, mais alors violemment par ces espèces de ghast là. Hop. Donc désolé, hein, mais je suis obligé de récolter du bois, de la de la holy stone, excusez-moi. Et voilà, donc je sais que c'est les moments les plus passionnants des aventures suivies. Allez, hop. Donc, mon petit abri, oula, mon petit abri devrait bientôt pouvoir être fini. Enfin, vraiment, vraiment tout petit, hein, vraiment très mal fait. Et j'ai une idée pour pouvoir récolter
beaucoup plus vite. Je vais me faire des haches en bois comme ça loot double, ça sera très utile. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Et on y est presque. Oula, et je vois des boules. Excusez-moi. Des boules passer. Oh, pile. Donc, il suffira de faire un toit, mais on n'est pas pressé. Écoutez, je vais déjà essayer de. Pour finir cet épisode qui sera pas très long, donc c'est le premier, une petite présentation rapide. Hein. Je vais essayer de marcher un peu et de voir. Tiens. C'est nouveau ça, c'est nouveau, il n'y avait pas avant. Tiens, c'est très très bien, ça doit servir pour manger, on va voir ça. Hop, ouais. Donc ça régénère de 1, c'est très bien. Donc, je disais, oui, je vais donc explorer un peu pour que vous voyez en même temps à quoi ressemble Laser. Et puis essayer de. Oh! Essayer des cadeaux de Noël. Essayer de trouver. Oula. Essayer de trouver, pardon, un donjon de bronze. Donc voilà, j'ai du mal à parler. Ah bah voilà. Bah voilà, c'est trouvé. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ah, quoique. Si, je crois que c'est un donjon de bronze. Bon, je vais pas y aller tout de suite, hein. Enfin, je vais aller voir si c'est un donjon de bronze. Donc là, vous allez strictement rien voir parce que c'est un super long couloir. Sprinter un peu pour pas que ça soit trop ennuyant. Donc y a rien à voir, hein. C'est un couloir. Ouh là là, mais c'est très long. Donc là, je suis un peu ralenti par de l'eau. Je décris tout ce qui se passe, hein, au cas où vous ne verrez vraiment rien. Ouais, c'est un donjon. Ouais, c'est un donjon. Donc là, avec un coffre et des salles plus loin. Ça promet, écoutez, ça promet. Donc je ne vais pas faire ça tout de suite parce que vaut mieux être bien équipé pour les donjons. Être très bien équipé même parce que le premier boss, figurez-vous. Ne se tape qu'avec une pioche et donc il faut avoir un bon stock de pioches. Donc là, je n'aurai strictement aucune chance. Manger un peu la nourriture. Force de sprinter. Hop, hop, hop. Donc on a déjà repéré un donjon de bronze et un donjon d'argent. Donc c'est pas mal du tout, hein. C'est même génial. Donc attendez, mon abri était par là, d'après mon super sens de l'orientation. Super nul. Ouais. Paf, paf. On monte. Ouais, c'est là. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Écoutez, écoutez. Je pense que je vais terminer ce premier épisode ici. Donc, un épisode pour commencer très court. Hein, mais, parce que je ne compte pas vous montrer quand je vais continuer un peu cet abri et donc récolter des outils. Pour mon aventure, hein, ça sera pas super passionnant. Non, on ne peut pas faire de four avec de la holy stone. Bon, je sais plus ce qu'on peut faire. Bon, déjà, on va se faire des pioches. Hein. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout ça. Vous voyez, là, je vais faire des pioches. Ça a rien de passionnant, surtout que j'ai pas de bois pour faire des bâtons. Donc ça servait strictement à rien que je fasse ça. Donc c'est formidable. Et je me fais tirer dessus dès que je sors, c'est plastique. Ouh là là, et je bug. Donc voilà, c'est parfait pour s'arrêter là. Donc si vous avez tout de même aimé cet épisode, malgré son ennui, parce que je coupais du bois et voilà, et j'ai présenté, voilà, c'est un premier épisode, quoi. Donc voilà, n'hésitez quand même pas à mettre. Enfin, n'hésitez pas, mettez un pouce vert si vous avez aimé. Et puis allez vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre cette série. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, bien sûr. Et voilà, ou pour suivre d'autres vidéos, j'en fais pas mal d'autres aussi de styles différents, toujours sur Minecraft ou même sur des mini-jeux internet par exemple. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye!